Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième vidéo qui a pour sujet les secrets de beauté de la femme orientale. Alors j'ai avec moi cette boîte que vous voyez là qui contient pour moi les 10 secrets de beauté de la femme orientale et qui je pense pourra servir à toutes celles et tous ceux qui regarderont cette vidéo. Alors je vais vous présenter 10 astuces, par contre c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus. 10 pourquoi? Parce que ce sont, on va dire, les 10 produits que j'utilise majoritairement, que j'ai vu ma mère utiliser aussi, des astuces et des produits en tout cas d'origine à 90% voire 100% d'origine pure et végétale, naturelle en tout cas, et donc ce sont des produits qui j'espère vont vous rendre service et vous aider en tout cas à prendre soin de votre peau, de vos ongles, de votre visage, de vos cheveux ou autre. Alors la première astuce, le premier secret que je vais vous présenter, c'est ce flacon là qui est de l'huile de nigel, aussi couramment appelée l'huile de cumin noir. L'huile de nigel, alors l'huile de nigel qui est utilisée depuis plus de 3000 ans dans la culture orientale, mais aussi depuis l'époque de l'ancienne Égypte, cette huile c'est vraiment un bijou. Elle est anti-inflammatoire, analgésique, elle est aussi antibactérienne, elle est antioxydante, elle aide à vaincre le vieillissement de la peau aussi. Elle a des bienfaits pour la peau, c'est vous dire à quel point c'est phénoménal. C'est un remède pour l'acné, l'eczéma, tout ce qui est gerçure, tout ce qui est brûlure, coup de soleil aussi. C'est une huile vraiment qui est 100% végétale, vous n'avez rien à craindre, il n'y a aucune contre-indication, aucun effet indésirable. Elle est pressée à froid, faites attention, elle est sans additifs, faites attention aux huiles qui ne sont pas 100% naturelles. Hein. Vérifiez quand même bien la composition. Elle a été vraiment démontrée, que ce soit en islam ou même par la science moderne, comme ayant vraiment des vertus de fou. Cette huile, elle est sensationnelle. Je vous la recommande à 300%. C'est vraiment un secret de beauté de femme orientale. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors cette huile, vous pouvez la trouver dans toutes les boutiques indépendantes, islamiques ou même orientales. Vous pouvez aussi la trouver sur les sites comme Aromazone ou Naturalia. Donc voilà, c'est une huile que vous appliquez, en tout cas pour ma part, que j'applique le soir avant de dormir. J'ai totalement mis mes crèmes de nuit de côté. Je vous le dis, depuis je n'ai quasiment plus aucun bouton, si ce n'est un ou deux de temps en temps. Mais sinon, voilà, je l'applique le soir avant de dormir, je laisse reposer toute la nuit. Et le matin, je lave tout ça. Au bout d'un mois, si vous n'allez pas voir véritablement un changement, ce n'est pas normal. Parce que cette huile, vraiment, c'est vraiment un bijou. Voilà pour l'huile de nigel. Deuxième produit que je vais vous montrer, pour rester dans la parenthèse nigel, mais qui est aussi en fait un secret de beauté de femme orientale, c'est le savon noir à l'huile de nigel. Voilà, c'est un savon qui se présente sous forme de savon tout simplement. Celui-ci vient de Dubaï. Voilà, ce savon vient de Dubaï, mais vous le trouvez là aussi dans tout ce qui est boutique indépendante, épicerie orientale même des fois. Vous pouvez le trouver aussi sur internet. J'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. C'est un savon qui a une composition qui est faite à base d'huile de nigel, donc, et qui a vraiment les mêmes vertus que ce que je vous ai dit auparavant pour l'huile, qui lutte contre l'acné, psoriasis, points noirs, etc. Il est recommandé majoritairement pour les peaux mixtes. Faites très attention, d'accord? Pour les peaux mixtes, voilà, vous lavez, que ce soit corps ou visage avec, c'est très bon. Voilà, deuxième secret de beauté de la femme orientale. Troisième produit que je vais vous présenter, c'est l'huile d'argan. Cette huile qui provient du Maroc, qui a été utilisée en premier lieu par les femmes berbères, elle provient là aussi de l'arganier. C'est une huile qui est riche en vitamine E, qui est antioxydante, qui a des propriétés vraiment cosmétiques sans pareil. Elle redynamise la peau, elle empêche le vieillissement cutané, elle nourrit, elle prévient l'apparition aussi des rides, de la cellulite, des vergetures, des pattes d'oie, etc.
Moi, je l'utilise majoritairement dans tout ce qui est masque pour cheveux, etc. Elle est présente dans beaucoup de gammes capillaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en magasin, shampoing à l'huile d'argan, masque à l'huile d'argan, etc. Alors imaginez vraiment l'huile d'argan pure, les bienfaits que ça peut avoir sur vos cheveux. Moi, comme je vous l'ai dit, donc je l'utilise en masque capillaire que je laisse reposer quelques heures sur les cheveux que je viens rincer par la suite. Les écailles sont nourries en profondeur, c'est fait vraiment pour tout type de cheveux sans exception, hein, que vous ayez les cheveux raides, bouclés, crépus, peu importe. Ça redonne de l'éclat et de la vitalité, ça favorise aussi la croissance, ça prévient de la chute, ça apporte vraiment souplesse et brillance. Bref, l'huile d'argan est vraiment vraiment topissime pour vos cheveux. Vous pouvez la trouver là aussi dans tout ce qui est boutique, indépendante, orientale, etc. ou même sur internet, Aromazone, Naturalia, etc. Voilà pour l'huile d'argan. Alors, quatrième astuce, quatrième secret de beauté de femme orientale, et autant vous dire que ça, c'est mon gros coup de cœur, c'est l'eau de rose. L'eau de rose distillée, qui est un hydrolat, et qui est vraiment très populaire au Moyen-Orient, au Maghreb, et ce depuis l'Antiquité. Cette eau de rose s'obtient en distillation de pétales de rose à la vapeur, d'accord? Je tire quand même une sonnette d'alarme, il faut faire très attention aux eaux de rose qui circulent, qui ne sont pas 100% naturelles, et certaines personnes vous vendent ça alors que c'est simplement de l'huile essentielle de rose mélangée à de l'eau. Non, la vraie eau de rose, c'est de l'eau qu'on obtient à distillation, à la suite de la distillation de pétales de rose. Et simplement ça, d'accord? Alors, cette eau de rose, pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce qu'elle apporte fraîcheur, elle apporte douceur à ma peau. Ça fait quelques années que j'utilise cette eau de rose, de la même marque d'ailleurs, et je peux vraiment plus m'en passer. Matin et soir, avec une lingette, je l'applique sur tout le visage. Je trouve qu'elle hydrate la peau, elle est régénérante. C'est vraiment, je vais pas dire de l'eau de jouvence, mais presque. Pourquoi? Parce que elle est reconnue pour avoir des bienfaits au niveau des rides. Elle empêche l'apparition des rides. En tout cas, elle la retarde. Je vais pas dire qu'elle l'empêche, mais elle la retarde. Et donc, pourquoi? Puisqu'elle stimule en fait tout simplement la croissance des cellules qui participent au renouvellement de l'épiderme. C'est pour ça qu'on dit qu'elle va vraiment vous servir à préserver votre capital jeunesse. Voilà pour l'eau de rose. Elle atténue aussi les rougeurs. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle resserre un peu quand même aussi les pores. Vraiment, l'eau de rose, je vous le conseille à 300%. Alors, cinquième produit que je vais vous présenter là, c'est le Siwek ou Swek. Tout va dépendre de comment vous le prononcez. Alors, ce bout de bois sert à la santé bucco-dentaire, existe depuis des millénaires en Orient. Ça fait que quelques temps qu'on en entend parler en Occident. Alors, il provient de l'arbre El Harak, ou bien autrement appelé Salvadora persica. À quoi sert-il? Il est simplement fait pour purifier la bouche, éliminer les microbes, les bactéries, éviter les caries aussi, éviter aussi l'extension de ces caries-là, renforce les gencives, prévient de la plaque bucco-dentaire, mais aussi fait pour éliminer la mauvaise haleine et blanchir vos dents. Concernant le blanchissement de vos dents, faut pas s'attendre à des miracles si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Hein. C'est fait pour blanchir les dents, certes. C'est vrai que c'est un traitement de choc, mais qui ne remplacera pas le traitement que vous avez chez le dentiste. D'accord? Ça fait disparaître simplement la couche jaune de vos dents. Vu que l'émail, notre émail est assez fin, ça laisse en fait tout simplement entrevoir la couleur de la dentine. D'accord? Donc voilà pour le Siwek. Comment l'utiliser? Vous allez venir à l'aide d'un briquet brûler le petit embout de ce bout de bois, et donc vous allez un petit peu l'humidifier aussi et venir frotter sur vos dents. Voilà, après plusieurs applications et de manière très régulière et fréquente quand même, vous allez voir des résultats. Voilà pour le Siwek. Sixième produit que je vais vous présenter, et pas des moindres puisque c'est la base même du maquillage de la femme orientale.
véritablement, je pouvais pas vous faire une vidéo en vous parlant des secrets de beauté de la femme orientale sans vous parler de celui-là. C'est le Kohl. Ce produit-là est fait pour intensifier votre regard, vous apporter un regard envoûtant, profond, mais pas seulement, puisqu'il faut le savoir, il renforce la vue, il vous nettoie la carotide de l'œil, il prévient toutes sortes d'infections oculaires. Comment est-il né? Tout simplement, autrefois, il était utilisé contre les reflets de lumière assez puissantes émises par le sable du désert en Égypte. C'est comme ça qu'est né le Kohl. Et autrefois, hommes et femmes en portaient, pas simplement les femmes. Hein. Maintenant, c'est vrai que si on voit un homme porter du Kohl, on trouve ça bizarre, mais autrefois, pas du tout, c'était chose courante. Au niveau de la composition, le Kohl est fait de poudre d'antimoine, de clou de girofle, d'eau de rose, parfois d'huile d'olive. Si vous trouvez du plomb lors de la composition de votre produit, ne vous aventurez pas à l'acheter puisque ce n'est pas le Kohl qui vous procurera tous les bienfaits et celui vraiment qui sera bénéfique à vos yeux. Voilà pour ce produit. Alors, septième produit que je vais vous présenter, c'est le musc. Alors le musc, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait de parfum qui lui est sans alcool, qui a une excellente tenue et qui a vraiment une odeur que je trouve inégalable. C'est une fragrance qui est quand même assez raffinée. Il y a plusieurs types de musc. Moi personnellement, celui que j'aime beaucoup, c'est la gamme ADN et plus précisément le rubis, qui a en fait une odeur assez fruitée et qui tient vraiment vraiment très très bien. Le plus onéreux, le plus cher des musques, c'est le musc blanc et qui provient lui des saoudiennes. Voilà, les plus grandes maisons de parfumerie françaises ou même internationales utilisent quasiment du musc dans leurs parfums. Après voilà, moi ce que je vous présente, ce sont les extraits de musc, les extraits, excusez-moi, de parfums qui sont eux sans alcool. D'accord? Voilà pour le musc. Huitième produit que je vais vous présenter maintenant, c'est le henné, qu'on appelle aussi plante du paradis en islam. Ce produit est fabriqué et provient d'un arbuste où les feuilles sont réduites en poudre. Vous avez deux possibilités d'utilisation du henné, soit le henné en traitement capillaire, soit le henné en ornement, bijoux, tatouage. Concernant le henné en traitement capillaire, vous avez plusieurs types de henné. Le henné nature, le henné qui vous procure une couleur rouge-orangé et le henné noir. D'accord ? Ça vous apporte donc force et vitalité à vos cheveux. Ça vous empêche la chute aussi de vos cheveux. Pour les cheveux secs et abîmés, c'est vraiment excellent. Par contre, je quand même tiens à vous mettre en garde concernant les cheveux qui ont déjà subi une coloration et qui comptent, qui veulent en tout cas utiliser du henné pour leur procurer une couleur rouge, acajou, peu importe noir, je vous le déconseille. Franchement, ça c'est à éviter parce que ça risque de vous les abîmer encore plus et c'est vraiment pas le but, le but du henné. Donc voilà au niveau du traitement capillaire, au niveau du henné en tant qu'ornement, bijoux, etc. Bon bah ça on n'a plus à le présenter. À la base c'est fait en Orient pour éloigner du mauvais œil et ça apporterait aussi, dit-on, la baraka, la bénédiction de Dieu. Voilà pour le henné. Neuvième produit que je vais vous présenter maintenant, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain qui est sous forme de pierre translucide, de roches, de petits cailloux et qui est idéale pour neutraliser les mauvaises odeurs, en tout cas les bactéries responsables des mauvaises odeurs. C'est un véritable désodorisant naturel et donc pour tout ce qui est boutons, rougeurs, irritations quotidiennes, ça vraiment c'est génial. Donc, à ne pas utiliser après l'épilation des aisselles, je donne un exemple, hein, mais surtout avant par rapport aux mini-coupures qu'il pourrait y avoir. Comment l'utiliser? Il faut simplement humidifier la pierre et l'appliquer sur la zone concernée. Et donc, l'avantage vraiment, c'est que c'est inodore et en tout cas, ça n'interagira pas avec vos parfums par la suite. Voilà pour la pierre d'Alain.
dixième et dernier produit que je vais vous présenter. Et je voulais présenter un dernier parce que ce produit a son importance toute particulière pour moi. Elle me rappelle tellement de beaux souvenirs, elle me rappelle mon enfance. C'est l'huile de jasmin. Le jasmin, une fleur que j'affectionne énormément. Concernant cette huile de jasmin, elle a plusieurs propriétés, plusieurs vertus. Elle est antioxydante, anti-ride, elle sert à nourrir vos ongles, à les fortifier. Pour vos cheveux, elle assainit vos cheveux, elle les parfume en tant que bain d'huile, masque capillaire. Elle nourrit les pointes sèches aussi. Au niveau de votre visage, moi, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, je l'utilise en soin de nuit avant de me coucher, pareillement que pour l'huile de nigel, j'alterne en fait les deux et je le laisse reposer toute la nuit, je le retire le matin. Étant donné que c'est une huile qui n'est pas très grasse, elle ne laisse pas de film gras sur votre visage, ça va, c'est quand même c'est pas désagréable hein, à dormir avec en tout cas. Au niveau de la conservation des huiles, en règle générale, petite parenthèse, il ne faut pas conserver vos huiles en dessous de 5 degrés et au-delà de 40 degrés. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Pour l'huile de jasmin, c'était tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tous ces produits n'auront plus de secrets pour vous. Merci vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les produits que vous souhaiteriez utiliser pour les personnes qui ont déjà utilisé ces produits, ce qu'elles en ont pensé. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Une grosse pensée aux personnes qui jeûnent durant ce mois de Ramadan. Je vous embrasse fort. À très bientôt.